Bonjour à tous. Depuis que j'ai commencé à réaliser ces vidéos, de nombreuses personnes les ont partagées, les ont diffusées et m'ont également posé de nombreuses questions. La vidéo sur les égrégores a même carrément créé un mini-buzz avec plus de 1000 connexions en deux jours. En réalisant la première, je n'imaginais pas qu'autant de monde les apprécierait, et pour cela je vous en remercie. Je vais donc continuer à vous faire partager ma vision de la magie, de l'ésotérisme, de la spiritualité et des médecines douces. En d'autres termes, vous parler du monde qui nous entoure. Néanmoins, je tiens à apporter quelques éclaircissements. Au gré des nombreux commentaires que j'ai eu l'occasion de voir passer à la suite de la vidéo sur les égrégores, j'ai également vu quelques critiques. C'est normal et c'est bien, car il est important de bien comprendre que tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Il y a forcément des erreurs qui se glissent parfois dans mes propos et je les assume. Après tout, je ne suis qu'un homme. De plus, j'ai volontairement simplifié certains concepts pour être compris du plus grand nombre. Mes vidéos s'adressent à tous et pas seulement aux grands initiés qui ont un lourd passif derrière eux. Cela ne m'intéresse pas, ils ont déjà leur voix. Moi, je cherche uniquement à rendre plus accessible certains domaines qui ont été volontairement compliqués pour les réserver à une élite. En mettant ces connaissances à portée de main, je souhaite créer l'étincelle qui permettra à certains de se libérer des entraves que notre société nous met en permanence. Mes vidéos ne sont pas là non plus pour m'imposer en gourou ou créer une nouvelle religion. Leur but est simplement d'apporter des informations ou des arguments à vos propres réflexions. Comme je le dis souvent dans mes stages, ne vous arrêtez pas à ce que je dis. Creusez les sujets qui vous intéressent et étudiez la vision de plusieurs personnes, car si ma vérité est contenue dans ce que je vous dis, elle peut être souvent différente de votre propre vérité. Et n'oubliez jamais que la vérité est universelle et personnelle. Maintenant que ces éclaircissements ont été faits, passons au sujet du jour. Comprendre ce que l'on fait est la base de l'expérience. En magie comme dans tout autre domaine, si l'on ne comprend pas pourquoi l'on fait les choses, l'impact qui en résultera en sera forcément diminué. Le sujet de cette nouvelle vidéo portera donc sur le rituel, ou plutôt les rituels. En effet, tous ceux qui s'intéressent à la magie ont déjà eu l'occasion de se confronter à la mise en place d'un rituel précis en vue d'une action particulière. Le choix des bougies, de l'encens, des paroles à prononcer, des symboles à tracer dans l'air, tout cela est bien joli, mais savez-vous seulement à quoi ça sert? De la même façon, ceux qui ont intégré des mouvements magiques, ordres initiatiques ou autres, ont pu être troublés par la rituelie parfois complexe à laquelle ils étaient soumis, et qui pourtant ne semblait pas être destiné à un acte magique précis. Et pourtant, que ce soit dans l'acte magique ou celui initiatique, chaque rituel, s'il est correctement construit, doit avoir une constitution précise en vue d'objectifs à atteindre. Et chacun des éléments le constituant possède sa fonction propre, sans laquelle rien ne serait jamais possible. Nous allons donc nous attacher à en préciser les détails. Mais avant tout, nous devons séparer en trois grands groupes les formes de rituels. Le premier groupe sera celui des rituels initiatiques, qui, malgré ce que l'on pourrait penser, n'ont pas qu'une action symbolique, mais également physique, directement reliée à notre capacité d'évolution. Le second groupe sera celui des rituels magiques, qui nous permettront d'exercer une influence sur notre environnement. Enfin, le troisième groupe sera celui des célébrations que l'on retrouve dans chaque tradition, comme celle des équinoxes ou des solstices par exemple. Ainsi, selon le rituel pratiqué, les changements que le magicien opérera seront soit internes, soit externes, soit comme souvent, à la fois internes et externes. Nous allons donc étudier ces trois types de rituels, en commençant par le rituel initiatique. Je tiens à préciser que j'entends par rituel initiatique un rituel réalisé le plus souvent au sein d'un groupe et dont le but est de passer un grade ou un niveau
en vue d'obtenir de nouvelles capacités. À savoir également qu'un rituel initiatique peut être réalisé à titre personnel uniquement, mais dans ce cas, l'effet en sera forcément amoindri, car l'inconscient ne pourra être totalement libre, vu que le conscient devra être en alerte afin de suivre la bonne marche du rituel. Cette précision me semblait importante. Pour bien comprendre comment et sur quoi agit ce rituel, il faut que je vous parle un peu de la différence entre le conscient et l'inconscient. J'arrête tout de suite mes détracteurs. J'ai bien conscience que le schéma de notre esprit est bien plus complexe, ou que selon les écoles, les termes peuvent être différents. Mais pour l'image dont nous allons nous servir, les explications qui viennent seront amplement suffisantes. Vous avez sans doute appris à l'école que nous fonctionnons sur un mode double, c'est-à-dire que notre esprit est constitué des deux parties principales, même si certains spécialistes font d'autres subdivisions, un conscient et un inconscient. Le conscient, c'est celui qui décide, qui fait, qui crée et qui apprend. Il analyse et a la sensation d'avoir le contrôle de tout. Mais derrière lui, en arrière-plan, il y a l'inconscient. Lui, il ne fait pas de bruit, mais régit tout de même tout ce que le conscient a la flemme de s'occuper. C'est grâce à l'inconscient que nous respirons, par exemple, car il gère les battements réguliers de notre cœur. C'est lui qui stocke les informations auxquelles vous êtes confrontés. Il a donc une mémoire de tout ce que vous avez vécu, dans ses moindres détails, depuis le début de votre naissance, et même avant. Nous pourrions le comparer au disque dur de l'ordinateur, alors que le conscient serait en quelque sorte la mémoire vive, la RAM. On pourrait résumer comme suit. Le conscient, c'est le temporel, celui qui vit dans l'instant, et l'inconscient, c'est l'intemporel, celui qui agit dans la durée. D'autre part, l'inconscient va agir directement sur votre évolution, tout au long de votre vie. Comment ? Prenons un exemple. Admettons que vous ayez un grave accident de voiture dont vous sortiez indemne. Passé le moment de l'accident, les complications engendrées, etc., au bout de quelques jours ou semaines, votre conscient aura repris le cours de sa vie et sera déjà reparti sur de nouveaux objectifs. Pourtant, la nuit, lorsque votre conscient sera à l'état de repos, votre inconscient, qui lui ne se repose jamais, continuera de ressasser l'événement, se dire que si vous aviez agi comme ci ou comme ça, ça ne serait pas arrivé. Vous aurez donc des nuits particulièrement agitées. Et puis le jour, quand vous reprendrez votre voiture, vous commencerez à être oppressé, avoir des palpitations et peut-être finalement développer une phobie de la voiture. Et plus vous vous forcerez à prendre votre voiture, et plus votre corps vous en empêchera, jusqu'à faire de violentes crises d'angoisse ou pire, des crises d'hystérie ou de la tétanie. Le résultat ? C'est que vous finirez le plus souvent par céder et ne plus jamais utiliser votre voiture. Que s'est-il passé? L'inconscient, c'est votre ange gardien, votre guide. Son seul but dans la vie, protéger l'entité que vous formez et la faire évoluer. Mais voilà, ces solutions ne sont pas forcément en adéquation avec la vie que vous menez. En effet, dans un concept de base, si vous ne voulez plus avoir d'accident de voiture similaire à celui que vous avez vécu, ne montez plus dans une voiture. Seulement voilà, pour aller travailler ou simplement aller se promener, dans certaines situations, sans voiture, ça devient vite très compliqué. Pourtant, c'est comme ça que l'inconscient va réagir pour vous protéger, en allant au plus simple. Il a gardé en mémoire le souvenir traumatisant de l'accident de voiture, et puisqu'il ne veut pas que vous en ayez un autre, il va vous empêcher par tous les moyens à sa portée de remonter dans cette voiture. Et vous pourrez vous répéter autant de fois que vous le voudrez que vous avez besoin d'une voiture, rien n'y fera, votre corps refusera. De plus, l'inconscient ne comprend pas l'analytique. Les mots, les phrases qui ont un sens pour votre conscient n'en ont aucun pour l'inconscient. Et comme souvent, votre conscient prend toute la place dans votre esprit. Il ne pensera même jamais à essayer de communiquer avec son double. Alors que faire? Tout simplement, créer ce rapport conscient-inconscient via la méditation ou l'auto-hypnose, ou trouver un type sympa qui vous aide en vous hypnotisant. Car grâce à l'hypnose, on pourra mettre en veille le conscient trop agité et communiquer directement avec l'inconscient via des scènes que l'hypnotiseur créera à titre de symbole pour faire comprendre à l'inconscient que son action n'aide pas l'être,
mais au contraire le dérange. Puis, grâce à d'autres codes, l'hypnotiseur agira sur l'inconscient pour que celui-ci rétablisse l'équilibre. Ça vous paraît incroyable? Et pourtant, je vous assure que tout cela est très simple quand on en connaît les techniques. J'ai moi-même eu l'occasion de traiter ce genre de traumatisme à maintes reprises avec l'hypnose. Mais déjà, vous devez vous demander, quel rapport avec les rituels? Vous n'avez pas encore compris? Réfléchissez. Qu'est-ce qu'un rituel? Une pièce de théâtre, un psychodrame dont vous êtes le héros, joué par différents acteurs dont chacun a sa fonction et qui parfois peuvent même être déguisés. Le but du rituel, s'il est bien joué, est de faire de vous un nouvel être, un homme ou une femme avec de nouvelles responsabilités et de nouveaux pouvoirs. À qui croyez-vous que le rituel est destiné d'après vous? À votre conscient, qui n'a qu'une envie, c'est de se marrer en voyant ses farfelus tourner autour de vous? Ou à votre inconscient qui enregistre tout ce qu'il se passe et pour qui chaque symbole est un message qu'il peut interpréter? Je suis sûr que vous avez compris maintenant. En effet, le principal but du rituel initiatique est de créer un choc pour l'inconscient, comme un petit traumatisme similaire à celui dont nous parlions tout à l'heure, mais qui va forcer l'inconscient à réagir d'une certaine façon, généralement pour lui faire débloquer des capacités endormies de notre esprit. Je vais même aller plus loin, vous livrant mon hypothèse personnelle. Attention, ce qui va suivre n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. C'est celle à laquelle je crois, mais je ne l'impose à personne. Si ça peut vous faire cogiter, c'est très bien. C'est même le but recherché. Vous savez, on dit que nous n'utilisons notre cerveau qu'à 10% de ses possibilités. Des études ont démontré que certains sujets psy ou certains médiums utilisaient des zones du cerveau que le commun des mortels n'utilise jamais. Et qui peut débloquer ou bloquer ces zones? L'inconscient. Mon hypothèse, un rituel initiatique sain et bien fait peut vous permettre de débloquer des zones de votre cerveau précises qui vous permettront de développer des facultés psy. Mais revenons à nos moutons. Pour bien vous faire comprendre le principe du rituel initiatique, je vais mettre en parallèle deux traditions totalement différentes et en décrypter le premier rituel de base. Prenons donc d'une part la tradition initiatique occidentale, dont le rituel d'entrée dans un groupe, une loge ou un ordre est fondamentalement le même selon les courants, et d'autre part la tradition chamanique Sioux, qui possède elle aussi ses divers rituels. Dans cette dernière tradition, c'est le rituel de l'Inipi, aussi appelé la Sweet Lodge, qui commence le grand cycle des 7 rituels qui mènent à la quête de la vision. À première vue, aucun rapport entre les deux, mais ça, c'est seulement à première vue. En effet, l'élément déclencheur de chacun de ces deux rituels a le même objectif, faire de vous une personne nouvelle, un être libre, débarrassé des peurs et des problèmes de ses congénères. Commençons par le déroulement du rituel occidental. Sans rentrer totalement dans le détail, qui nous entraînerait rapidement dans une vidéo trop longue, voici approximativement le déroulement de ce rituel. Selon les courants, vous avez généralement un bandeau sur les yeux qui vous empêche de voir ce qui vous arrive. Cet élément est très intéressant car il empêche le conscient de voir et donc d'analyser la scène. Il ne peut donc que se l'imaginer, et ça, c'est le travail de l'inconscient. C'est donc lui qui va être directement concerné. Ensuite, vous pouvez être soit habillé d'une simple robe blanche, soit revêtir un accoutrement spécial, soit être totalement nu. Le symbole ici est celui du dénuement. Vous devez être comme un petit enfant qui sort du ventre de sa mère. Le rituel commence et vous êtes entraîné au fur et à mesure de son déroulement au travers d'épreuves que l'on vous dit être associées aux quatre éléments. Par exemple, pour l'air, on vous fait marcher sur une planche de bois, qui n'est le plus souvent qu'à quelques centimètres du sol. Mais comme vous ne la voyez pas, votre inconscient s'imagine un gouffre gigantesque. Même chose pour chaque élément, l'inconscient a la fâcheuse tendance d'amplifier tout ce qu'il ressent. Des sensations oppressantes marquent le rituel, des bruits indéfinissables, autant de choses qui marquent l'inconscient, lequel finalement ne peut que se rattacher à celui ou celle qui le guide, remettant sa volonté entre ses mains. Dans cet état, on peut dire que le sujet est dans une forme d'hypnose. Puis les choses se calment, selon les rites, on peut vous faire boire une potion au goût particulier, le breuvage d'oubli, qui indique à votre inconscient d'effacer les schémas que votre éducation vous a construits. Ensuite, une autre potion vous est proposée, laquelle fait de vous un nouvel être, une conscience éveillée,
un libre penseur. Le bandeau vous est enlevé et vous êtes accepté dans ce nouveau groupe. Parfois, on vous propose de prendre un nouveau nom qui correspondra à cette nouvelle identité. Comprenez-moi bien, le rituel exemple, largement simplifié que je viens de vous proposer, est censé être réalisé auprès de personnes de confiance et dans un but d'évolution spirituelle. Car les sectes et autres pseudo-ordres initiatiques utiliseront les mêmes procédés, sauf que cette fois, au lieu de programmer votre inconscient, car il s'agit réellement d'une programmation, dans le but de penser par vous-même, les mouvements sectaires feront de vous des êtres dépendants d'une seule et unique personne, leur gourou. Souvenez-vous que personne au monde ne détient la vérité ultime. Toutes les étapes de ce rituel, comme je viens de le dire, vont programmer votre inconscient dans le but précis défini par ce rituel. Ainsi, une fois que vous êtes bien rentré dedans, comme en hypnose, l'inconscient prendra pour argent comptant tout ce qu'on lui dira. Par exemple, s'il traverse chaque élément, il imaginera toutes ses épreuves de manière exagérée et en sortira bien sûr vainqueur et donc plus sûr de lui, plus confiant et se sentant capable de tout affronter. De la même façon, le breuvage lui donnera le signal pour faire une sorte de reset, car on ne peut effacer l'ancrage de plusieurs années d'éducation, mais qui permettra de recevoir de nouvelles informations et surtout, de voir les choses avec un regard neuf, un regard différent. Tout comme son nouveau nom, qui symbolisera parfaitement cette nouvelle identité qu'il endossera dès qu'il aura besoin de toutes ses facultés. Au-delà de ces changements, le rituel va ouvrir une sorte de canal plus large où passera l'énergie, ce qui lui en fournira donc une plus grande quantité à sa disposition. Enfin, en s'attachant à un groupe, le mage bénéficiera de l'égrégore de ce groupe qui, s'il a été correctement créé, lui permettra d'évoluer beaucoup plus vite. Comme vous le voyez, le travail du rituel dans ce cas précis est avant tout une programmation de l'inconscient qui lui permettra une ouverture plus large de son esprit. Comme dans tous les premiers rituels initiatiques, ce que vous devez vivre est une mort symbolique, puis une renaissance, afin de faire comprendre à l'inconscient qu'un nouvel être doit s'éveiller en vous. D'autre part, et selon le rite envisagé, le second travail du rituel permettra à l'inconscient de se connecter directement à l'égrégore auquel appartient ce rituel. Une fois de plus, vérifiez donc bien à qui vous avez affaire. Comme je le proposais tout à l'heure, mettons maintenant en parallèle le rite Sioux de l'Inipi. Celui-ci se réalise au sein d'une petite hutte, dont l'ouverture vous oblige à vous courber pour y entrer. Là encore, il existe tout un symbole caché derrière chaque élément. Mais nous nous en tiendrons à une explication simple afin de ne pas se mélanger les pinceaux. Dans cette hutte, il y fait noir et vous y êtes traditionnellement nu. En Occident, nous avons souvent des versions édulcorées de ces rites. On vous autorise à garder une serviette ou un maillot de bain. On retrouve ici les deux symboles dont on a déjà parlé dans le précédent rituel, le dénuement et l'aveuglement. Le travail de l'inconscient est donc bien l'objectif ici encore. La hutte, quant à elle, va symboliser le retour dans le ventre de votre mère. D'ailleurs, l'atmosphère va rapidement y ressembler, en beaucoup plus intense. Au centre de la hutte, un trou, dans lequel des pierres chauffées au feu ont été entreposées. L'atmosphère est donc très chaude. Au cas où vous voudriez vous sauver, le chaman, opérateur du rituel, est dos à la porte. C'est flippant à souhait, vous devrez vous battre pour sortir. Puis le rituel démarre. De l'eau est versée sur les pierres, mélangée à différentes plantes comme de la sauge par exemple, qui vont donner une odeur particulière à l'atmosphère, quelque chose d'assez âcre. Et surtout, tout devient suffocant. L'air vous brûle les poumons et vous avez un mal de chien à respirer. Le chaman récite ses paroles rituelles et vous n'avez qu'une hâte, qu'il ouvre la porte. Et tout au long du rituel, la porte sera ouverte 4 fois pour laisser rentrer un peu d'air frais. Selon les chamans qui effectuent ces rituels, chaque ouverture sera en analogie soit avec les ancêtres et les dieux, soit avec les éléments. Mais on ne peut pas ne pas faire le lien entre les 4 épreuves des éléments dont on parlait déjà dans notre rituel précédent. À la fin du rituel, vous sortez en rampant de la hutte, exténué, trempé, comme si vous naissiez une nouvelle fois, et c'en est exactement l'objectif. La mort de votre ancienne enveloppe et la naissance d'une nouvelle. Comme vous le voyez, 2 rituels différents de 2 traditions différentes pour 2 résultats identiques, mourir à ses anciens schémas
pour créer un être nouveau et conscient de ses potentialités. Ensuite, et selon son évolution propre, les résultats peuvent être très différents. Les jours qui suivent sont souvent empreints de rêves très forts au niveau de la symbolique, et l'énergie qui circule au sein de votre corps est tout de suite plus intense, vous ressentez mieux ce qui vous entoure. C'est pourquoi un rituel doit se faire non pas par jeu ni par curiosité, mais lorsque l'on s'y sent prêt. Au cours de votre évolution au sein d'un groupe, d'autres rituels viendront ponctuer cette période, déclenchant de nouvelles prises de conscience et vous ouvrant à de nouvelles potentialités. J'ai souvenir par exemple d'un rituel nommé la mort d'Osiris, où l'on va vous forcer à sortir de votre corps et à y revenir avec l'aide d'un égrégore puissant et de quelques plantes brûlées. Une fois ce rituel passé, vous pouvez sortir de votre corps à volonté et sans limite. Amusez-vous maintenant lorsque vous rencontrerez des rituels d'initiation, à les décrypter ainsi en cherchant à comprendre de quelle manière ils vont agir sur votre inconscient. Cela vous permettra souvent d'éviter les rituels qui pourraient vous asservir. Voyons maintenant notre deuxième groupe de rituels, les rituels magiques. Ici encore, votre inconscient sera sollicité afin de vous connecter sur certains plans vibratoires. En d'autres termes, il ouvrira des portes de votre cerveau qui ne sont pas employées en temps normal. Pour cela, rentreront dans les rituels différents éléments qui tous ont leur place. Ne croyez pas que l'on choisisse au hasard l'encens, les paroles ou la direction vers laquelle on se tourne. Tout a une fonction, tout a une raison d'être. Ainsi, les encens utilisés ne seront jamais ces bâtonnets à brûler que l'on trouve dans le commerce. L'encens pour un rituel est une résine ou une composition de résine et de plantes qui doivent être choisies en fonction de l'effet recherché, car la fumée que vous respirerez devra permettre à votre inconscient de se mettre en résonance avec une énergie précise. De la même façon, les couleurs utilisées pour les bougies, les tentures ou les nappes seront là pour saturer votre vision sur une fréquence de couleurs précise, laquelle aidera également votre cerveau à se synchroniser. Un rituel magique, c'est véritablement une porte que l'on ouvre vers un plan d'existence particulier sur lequel on veut agir. Plus la symbolique est pointue, plus votre inconscient entendra le message et fera les bonnes connexions pour vous permettre d'accéder au plan recherché. De la même façon, c'est l'inconscient qui agira à distance en projetant votre énergie vers tel ou tel objectif. Comprenez donc l'importance de l'inconscient en magie. Le connaître, c'est maîtriser son énergie. C'est pourquoi la mise en place d'un rituel doit se faire avec beaucoup de précautions, afin que le message perçu par l'inconscient ne soit pas différent de celui que le conscient veut lui faire passer. Vous l'avez compris, le but principal d'un rituel est avant tout de créer une communication entre le conscient et l'inconscient. Car c'est l'inconscient qui régit tous ces pouvoirs qui sont en vous dès votre naissance. C'est une forme d'auto-hypnose sans sommeil qui permet de dresser un pont au sein de votre être. Plus le mage avancera dans sa pratique et plus la communication se fera directement, avec de moins en moins de rituels, jusqu'à ce qu'il n'ait besoin que de dire « je veux » et que les choses se fassent d'elles-mêmes. J'entends déjà certains me dire que le rituel sert avant tout à attirer les entités vers nous. De mon point de vue, il n'y a rien de plus faux, car c'est vous que vous mettrez en résonance avec ces entités, et pas l'inverse. C'est en utilisant vos propres capacités endormies que vous établirez le lien, la communication avec elles. C'est pourquoi le principal changement qui s'opère lorsque vous entrez sur la voie de la magie, c'est en vous qu'il se crée. La magie est l'art d'utiliser les ressources cachées de notre esprit. Je ne vais pas détailler plus avant le rituel magique, sa composition ni sa création. Je l'ai déjà fait dans plusieurs de mes ouvrages et nous l'étudions en profondeur durant mes formations. Je préciserai juste que ce qui est vrai en magie est également dans la vie de tous les jours. La ritualisation d'une action va engendrer sa compréhension et du coup son automatisme par l'inconscient. Les personnes qui s'intéressent aux médecines énergétiques l'ont certainement remarqué. Le fait de ritualiser une action fera qu'au bout d'un certain temps, l'action commencera à se réaliser alors même qu'elle n'est pas finie. Car l'inconscient aura très vite compris où le conscient veut en venir et du coup il commencera de lui-même la production du résultat. Par exemple, je me suis souvent aperçu lors de mes stages
que le simple fait d'expliquer un exercice de soin suffisait à ce que le soin en lui-même se fasse. Pourquoi ? Parce que mon inconscient est tellement rodé à cette tâche que dès qu'il aperçoit les premiers symboles du soin, il se met en route, même si le but n'est qu'une simple démonstration. Mais voyons pour finir notre troisième groupe de rituels, les célébrations. Quelle que soit la religion, quel que soit le courant philosophique ou la tradition à laquelle vous vous rattachez, il y a forcément dans l'année des dates, plus importantes que d'autres, lors desquelles votre rituel n'aura pas d'autre but que de célébrer le moment ou l'entité associée à ce moment précis de l'année. Ces rituels très particuliers, puisque finalement ils ne semblent pas être dirigés vers un but précis, sont en réalité destinés à alimenter l'égrégore de la religion ou du rite auquel vous vous rattachez. D'autre part, ils renforcent également le lien que vous entretenez avec cet égrégore. Souvenez-vous de mon histoire de carafe. À partir du moment où vous faites partie d'une religion ou d'une tradition, vous avez accès, en théorie, à l'eau contenue dans sa carafe. Mais si chacun ne fait que prendre l'eau, cette carafe finira vite par se vider. C'est pourquoi les célébrations sont nécessaires afin de pouvoir continuer d'alimenter en eau cette carafe, laquelle eau servira à abreuver tous les membres qui en auront besoin. Bon, je reconnais que dans beaucoup de religions et de mouvements sectaires, ce qu'il y a dans la carafe n'est pas destiné à tout le monde, loin de là. Mais mon image n'en est pourtant pas moins vraie. Au sein d'une tradition authentique, il faut savoir donner pour pouvoir recevoir. Et nous revoilà plongés dans les égrégores. Alors oui, il y aurait encore beaucoup à dire. Cette vidéo, comme les autres déjà faites, n'est pas parfaite. Beaucoup de choses sont sujets à interprétation. Et c'est bien normal. Faites votre propre idée, votre expérience. Ne confiez à personne le soin de vous imposer sa vérité. Étudiez différentes sources, différents points de vue et forgez votre vérité, car c'est celle qui vous correspondra le mieux. Si ma pensée vous parle, n'hésitez pas à lire mes ouvrages ou participer à l'un de mes stages. Ces vidéos ne sont ici qu'à titre d'information. Mais rien ne remplacera jamais l'expérimentation. Et pour conclure, n'oubliez pas que si la magie a autant été occultée et mise au ban de la société durant des millénaires, c'est que le plus grand pouvoir qu'elle pourra vous apporter n'est pas de contrôler les éléments, faire tomber la pluie ou que sais-je encore. Non. Le plus grand pouvoir qu'elle vous apportera, c'est de contrôler votre propre vie. À bientôt.